Quelle est la puissance d'une pompe qui soulève 15 000 litres d'eau d'une profondeur de 15 mètres en 3 minutes et 4 secondes? Voici les données. Le volume V de l'eau est de 15 000 litres et par conséquent la masse m de l'eau vaut 15 000 kg. La hauteur h vaut 15 mètres et le temps t 3 minutes et 4 secondes, c'est-à-dire 184 secondes. Nous cherchons la puissance P de la pompe, puissance que nous exprimons en watts. Et pour trouver cette puissance, nous appliquons la formule puissance égale travail divisé par le temps. Le travail W se calcule par force fois le déplacement, donc ici, le poids G de l'eau fois la hauteur H qui est donnée. Donc, la puissance se calcule par grand G fois H sur T. Grand G, c'est le poids de l'eau, poids qu'on calcule par masse fois l'accélération de pesanteur. Donc, nous calculons la puissance de la pompe au moyen de ce quotient MGH sur T. Au numérateur, nous voyons MGH et ça c'est l'énergie potentielle de l'eau qui se trouve à cette hauteur H. Nous remplaçons M par 15 000, G par 9,81, H par 15 et T par 184. Et c'est ainsi que nous trouvons comme puissance à peu près 11 995,92 watts.